Seul et digne de notre louange. Nos cœurs sont tournés vers toi ce matin, Seigneur notre Dieu. Reçois toute notre adoration. Au nom précieux de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Vous pouvez vous lever pour chanter si vous voulez bien. Pas de louer notre Dieu.
Je lis au nom de Jésus. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, c'est ça? Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous, qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Père et... Amen. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette espérance vivante que tu nous donnes. Grâce au sacrifice et à la résurrection de Jésus. Tu es notre seul espoir, Seigneur. Tu es notre lumière, notre refuge, notre paix. Et nous mettons notre confiance en toi. Amen. Nous avons encore des problèmes, nous sommes vraiment désolés pour les paroles, mais nous essayons de faire comme nous pouvons. Donc nous allons continuer à chanter. Peut-être que je vais lire les paroles, je vous lis les paroles. Lumière dans ma nuit, paix pour mon âme, tu es mon refuge, tu restes fidèle. Mon espoir. JM 145. Thank you.
lève les yeux. Sur moi, ça va l'orage, sa croix anime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher. Oh,
Nous allons avoir notre temps de prière ensemble, mais d'abord Herbert va venir nous dire quelques mots. Thank you.
En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu, il a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Faites ceci en souvenir de moi, toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. En mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui le poids de nos péchés. Il a souffert pour que nous soyons pardonnés. Alors avant de prendre ensemble la Sainte Cène, je vous propose de prendre un petit temps, quelques minutes, en silence pour confesser à Dieu nos fautes et nos manquements et demander son pardon. Seigneur Jésus, tu nous as appris à prendre ce pain et ce vin ensemble pour nous rappeler de ton corps qui a été brisé pour nous et ton sang qui a coulé pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés et que notre relation avec Dieu, ton Père, soit rétablie. Nous voulons te dire toute notre reconnaissance, Seigneur Jésus, et tout notre amour. Merci pour cette espérance vivante que tu nous donnes de vivre avec toi pour l'éternité. Amen. J'appelle l'équipe de scène à venir. Et si vous avez pris la décision de suivre Jésus-Christ, je vous invite à participer ensemble à la Sainte Cène. Et ce que nous allons faire, c'est prendre le pain et on va le prendre ensemble. Et puis on fera la même chose pour le vin. Jean, chapitre 1, verset 9. Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et pour nous purifier de toute iniquité si nous confessons nos péchés. Seigneur Dieu, pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos péchés, Seigneur Jésus. Aie pitié de nous, Père, parce que, oui, nous ne sommes pas parfaits. Mais nous venons devant toi parce que nous savons que tu es miséricorde. Ta compassion touche tout un chacun, Seigneur éternel.
Oui, Père, je ne suis pas digne, Seigneur Jésus. Je ne suis pas digne plus que d'autres personnes, plus que cette personne atteinte de maladie chronique, maladie en stade terminal. Je ne suis pas digne plus que cette dame, Seigneur, dans la rue. Je ne suis pas digne plus que cet enfant sans parents. Je ne suis pas digne plus que ces personnes qui chaque jour perdent la vie. Je ne suis pas digne plus que ces personnes hospitalisées. Seigneur, chaque seconde, en soins intensifs, en réanimation, je ne suis pas digne puisque ces personnes qui n'ont pas de membres, n'ont pas de bouche, ne peuvent pas voir, qui ne peuvent pas marcher, Seigneur. Oh Dieu, ta grâce m'a trouvée. Et Seigneur Jésus, tout ce que je peux faire, c'est par ta grâce, Seigneur. Ce n'est pas parce que moi, je l'ai programmé de cette façon. Seigneur, c'est par ta grâce, Seigneur Jésus. Et je reconnais ta grâce dans ma vie. Voilà pourquoi, Seigneur, je te demande de me pardonner, Seigneur Jésus. Parfois, sous l'émotion, on peut sortir des paroles, Seigneur Jésus, blessantes envers nos prochains. Seigneur, aide-nous à pouvoir changer, Seigneur. Et vraiment, comme on dit, être des témoins de ton amour autour de nous, Seigneur Jésus. Parce que c'est là que ça doit commencer, dans nos familles, Seigneur, devant nos enfants, devant nos frères et sœurs, devant nos parents, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, qui est un avant et un après, Seigneur, lorsque nous te suivons, Jésus. Père, Seigneur, permets que ce sang, que ce pain, que ce jus que nous prenons, qui symbolise ton sang et ton corps, Seigneur, vienne, Seigneur Jésus, nous sanctifier. Parce que ta parole dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Père, merci pour ce moment solennel. Seigneur, rends-nous dignes de nous rapprocher de ta table, Seigneur, et permets que nos prières, Seigneur, atteignent tes paroles, Jésus. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Prenons le pain ensemble. Le vin ensemble, cela représente le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Amen.
pouvez vous lever hein, pour chanter. Celui qui met en Jésus sa pleine confiance. Celui qui met en Jésus. À venir, les annonces, tu peux afficher, merci. Il y a une modification par rapport à la feuille d'annonce que vous avez eue, notamment par rapport à la soirée louange et prière. Donc, sur le feuillet que vous avez, c'est inscrit qu'il y en aura la semaine prochaine. Ça ne sera pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Donc, pardon pour cela. Mais donc, ça sera le 9 et la semaine prochaine, ça sera plutôt
Ah, merci. Ça sera maison ouverte. Donc, l'initiative, c'est de pouvoir inviter les frères et sœurs de l'Église pour mieux se connaître, mais aussi les voisins. J'avoue que c'est un encouragement pour nous pour pouvoir le faire. Si on rame un peu pour le faire, mais il faut vraiment qu'on puisse prendre l'habitude de le faire et de faire connaissance les uns avec les autres. Et c'est pour ça aussi que c'est comme ça aussi que nous pourrons mieux nous connaître, aussi prier les uns pour les autres. Oui, tu peux. Alors, il y a un événement qui va arriver aussi dans 2 semaines et les personnes concernées qui sont là. Je dirais que c'est peut-être l'année des Joël pour ce qui est du mariage, parce qu'on a déjà eu un mariage d'un certain Joël et puis un deuxième mariage d'un autre certain Joël avec Marine. Je vous invite à venir. Et je vais laisser la parole à Joël qui va nous en dire davantage. Et, Pas le seul. Du coup, c'est avec joie que nous partageons la nouvelle de notre union avec Marine. Nous avons décidé de nous marier le samedi 10 août en petit comité avec nos familles proches et nos amis proches. Mais tout de même, nous souhaitons partager ce moment de cette journée avec vous, avec la cérémonie religieuse. Du coup, nous vous convions à notre cérémonie qui se tiendra à 15h. Le samedi 10 août à la chapelle Rabelais, suivi d'un petit rafraîchissement dans une petite salle en face de l'église. Ouais. Bon. Simple, efficace, oui, en effet. Ben, merci, en tout cas, pour nous, c'est une joie en tout cas de pouvoir voir le cheminement et la suite aussi de la vie de Marine et Joël. Nous sommes vraiment reconnaissants pour ça. Je vous propose juste de prier pour eux et on espère que... Il m'a dit que tout était bouclé. J'ai dit bravo. Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ton amour et ta grâce. Tu t'es révélé à Marine et à Joël et tu leur as montré que tu les aimais. Et ils ont compris, au Seigneur, ton amour pour eux. Et ils ont décidé de vivre, au Seigneur, leur foi ensemble et de s'unir et de vivre le mariage selon ta parole, au Seigneur. Nous prions au Père que tu sois dès à présent, et tu l'es déjà, avec eux, au Seigneur, avant même qu'ils ne vivent ensemble dans ce foyer, au Seigneur, et que tu puisses leur montrer que tu es là au milieu d'eux et qu'ils peuvent compter sur toi, et que tu les aides aussi, Seigneur, dans les préparations pour ce mariage, et par-dessus tout, Seigneur, que tu les tiennes unis l'un à l'autre, au Père, que le diable, au Seigneur, ne puisse pas venir s'aimer la zizanie dans cet amour, mais qu'ils puissent se rappeler que tu es là et que tu nous as aussi donné ce commandement de nous aimer l'un l'autre comme toi tu nous as aimés. Qu'ils soient humbles l'un l'autre, Seigneur, et qu'ils puissent s'humilier s'il le faut pour préserver l'amour, pour préserver l'unité, et que tu sois leur merveilleux conseiller en tout temps. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi qui les as créés et qui permet aussi qu'ils puissent s'unir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, les invitations sont lancées. Si vous voulez aller les encourager pour ce jour, vous êtes les bienvenus, donc, le 10. L'été, il y a aussi besoin de nettoyage. Et j'ai vu que nos sœurs qui nettoient pour que ces beaux carreaux puissent briller ont besoin d'un renfort. Et d'un renfort même d'hommes, et surtout des hommes, en fait. Et je lance un appel, s'il y a des hommes qui sont courageux et qui sont disponibles dans la semaine pour venir nettoyer, bah, vous pouvez vous manifester de sorte qu'on puisse se mobiliser tous pour nettoyer ce logo. Et ce n'est pas seulement l'été, mais également tout au long de l'année. Les locaux sont beaucoup plus grands que ce que nous avions à Veneux, et ça demande plus de personnes, tout simplement. Et nous nous sommes réjouis d'avoir ces locaux. Réjouissons-nous aussi de pouvoir y contribuer de la manière qu'on peut, en nettoyant notamment. Et il y a aussi toujours d'autres besoins, et notamment le besoin de chaises. On voudrait vraiment acquérir davantage de chaises. Et pour ça, on a mis en place
une cagnotte spécifique pour l'acquisition de nouvelles chaises. Donc les personnes qui sont intéressées par cela, j'espère nous tous, peuvent donner un don spécifique. En tout cas, si c'est un chèque, il faut bien préciser, ou un virement, il faut bien préciser que c'est pour la cagnotte de chaises. Et vous avez un tronc juste là qui peut servir, je peux faire défiler l'autre diapo aussi, donc qui peut servir à la fois pour faire le don pour la cagnotte de chaises, mais aussi pour les besoins courants de l'Église. On a encore de l'autre côté des salles à sortir pour que les enfants puissent avoir chacun leur salle spécifique. Et on a aussi des besoins courants, notamment des prêts qu'on doit rembourser pour l'acquisition de ces locaux. Donc, les besoins sont là et que Dieu vraiment puisse nous aider à mettre la main à la pâte pour qu'on puisse vraiment pouvoir avoir ces locaux et aussi subvenir aux besoins financiers de l'Église. Ouais, tu peux passer. Bon, tu peux passer. Et donc, il y a un autre moyen aussi de donner. Hein. Il y a aussi les virements bancaires, hein, ça vous pouvez le faire, et aussi par carte sur Eloasso. Et enfin, pour ceux qui sont là pour la première fois et qui voudraient avoir des nouvelles de l'Église ou avoir un rendez-vous avec le pasteur ou un responsable de l'Église, vous pouvez remplir un carton contact que les membres de l'équipe d'accueil, donc c'est ceux qui ont un badge, peuvent vous remettre. Ça permettra d'avoir votre adresse mail, par exemple, pour vous envoyer les nouvelles de l'Église. Et ou donner votre numéro de téléphone pour un contact. En tout cas, vous êtes libre de le faire et c'est avec joie qu'on pourra avoir cet entretien avec vous si vous le souhaitez, ou même juste vous envoyer des nouvelles de l'Église. Merci. Bon, voilà, c'est la fin des annonces. Et on va passer à un autre moment de culte qui est à la prédication. Et c'est moi qui vais également la porter aujourd'hui. Je dirais que, je ne sais pas vous, hein, peut-être que vous n'avez jamais été découragé. Je ne sais pas toi, Michael, qui a la projection aujourd'hui avec tous les aléas techniques qu'on a connus, tu pourrais dire, ouais, j'aurais pu être vraiment découragé. Et c'est un peu le thème de la prédication d'aujourd'hui et même des prédications de cet été. Où on voit même des personnes qui mettent leur confiance en Dieu vivre le découragement. Et ça peut être parfois étonnant, ça peut nous sembler bizarre, mais c'est la triste réalité et la vraie vie, finalement, que les hommes, même les hommes et les femmes qui mettent leur confiance en Dieu, peuvent connaître le découragement, mais ils n'en restent pas là. Et ça, c'est la leçon à tirer. Je vous invite à lire le psaume 42. Ça fera l'objet de notre prédication aujourd'hui. Alors, on lira par face pour pouvoir traiter progressivement les sections qu'on va lire. Et, dire un mot quand même sur ce psaume. Historiquement, l'origine de ce psaume est attribuée aux descendants de Corée, donc qui avaient la charge de la responsabilité de la louange dans le temple. Et c'est David qui leur avait donné cette responsabilité. Mais certains commentateurs pensent que David serait plutôt l'auteur de ce psaume et que les descendants de Corée, donc les responsables du groupe de louanges, si on peut dire, eux l'ont mis en musique. Certains événements, en effet, de ce texte se rapportent plutôt à la vie de David. Et moi, je suis aussi de cet avis. Mais peu importe que ce soit les descendants de Corée, que ce soit David, retenons juste que ce texte vient de Dieu, c'est Dieu qui a permis qu'il nous arrive aujourd'hui, et nous pouvons en tirer des leçons. Et moi, je pars du principe où, en effet, c'est David qui lui-même soit l'a écrit ou l'a inspiré. Donc, ne soyez pas choqués. Et on dit également que ce psaume 42 et le psaume 43 sont intimement liés, on ne peut pas vraiment les dissocier. Et le psaume 43 fera l'objet d'une prédication, je crois que c'est le 18 août, par Valde. Alors, je vous invite à lire, moi je lirai de la version en français courant, ça me paraît plus pertinent. Et on va lire d'abord les versets 1 à 5, où on voit que la présence de Dieu est vitale pour l'homme.
du répertoire du chef de chorale, psaume chanté appartenant au recueil de la confrérie de Corée. Comme une biche soupire après l'eau du ruisseau, moi aussi je soupire après toi, ô Dieu. J'ai soif de toi, j'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand pourrais-je en faire entrer dans son temple pour me présenter devant lui? Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes, car on me dit sans cesse, ton Dieu, que fait-il donc? Je vais laisser revenir les souvenirs émouvants du temps où j'avançais en tête du cortège vers la maison de Dieu, avec la foule en fête, criant à Dieu sa reconnaissance et sa joie. C'est là où s'arrête la première partie de cette lecture. Et donc, si c'est David qui est l'auteur de ce texte, les circonstances dans lesquelles il aurait écrit ce texte seraient son exil suite à la rébellion de son fils Absalom, qui voulait prendre sa place et devenir roi à sa place. Dans son exil, une chose semble la plus cruelle, la plus difficile à vivre pour David. Ce n'est pas son fauteuil en or qui lui manque, ce n'est pas non plus tous les privilèges dont il jouissait en tant que roi qui lui manque, ce n'est pas non plus son lit douillet qui lui manque. Non, du tout. Ce qui le manque extrêmement, il le dit, c'est la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il exprime avec cette allusion de la biche qui soupire après l'eau d'un ruisseau. Et il nous faut vraiment imaginer la scène pour vraiment comprendre, en fait. On a connu la canicule et il faut imaginer une canicule. Je crois que c'est au Maroc qu'il y a eu 48 ou 52 degrés ces derniers jours. Mais il faut s'imaginer dans ce contexte où il fait vraiment chaud, très 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 chaud, pendant plusieurs jours. La température est élevée, le sol est sec et la gorge également est sèche. Et je pense que le seul rempart, que ce soit pour les animaux, pour les hommes, dans ce moment-là, c'est vraiment se désaltérer, c'est boire. Et David languit d'être en présence de Dieu, comme une biche, comme une personne qui a vraiment soif. Pas juste un peu soif, mais qui a vraiment soif. Il a hâte de pouvoir rentrer dans le temple pour se présenter devant Dieu. Il en est obsédé, passionné, et il en pleure. C'est ce qu'il dit au verset 4. Jour et nuit, j'ai ma ration de larmes. David crie sa soif de Dieu, du Dieu vivant, dit-il au verset 3. Et je pense que cette précision du Dieu vivant, elle est vraiment importante, parce que à chaque problème, on trouve une solution, mais il faut que ce soit la solution la plus appropriée. Est-ce que, donc, quand il fait appel au Dieu, est-ce qu'il fait appel au bon Dieu? Parce que dans ses contemporains avaient plusieurs divinités. Est-ce que David fait appel au bon Dieu? Et lui, il dit, il fait appel au Dieu vivant. Et cette précision, elle est vraiment importante pour nous. C'est le Dieu vivant auquel David fait appel. Et nous parlons souvent aussi de Dieu. Et j'ai pensé intéressant de savoir ce qu'on dit là, le dictionnaire de Dieu. Comment le dictionnaire définit-il le mot Dieu? Et je trouvais ça assez intéressant. Dans mon dictionnaire, il est dit, on appelle Dieu un être surnaturel, objet de dévérence d'une religion. On appelle Dieu un être surnaturel, objet de dévérence d'une religion. Je reviendrai dessus après, mais c'est intéressant. Retenez bien ça, et surtout le mot dévérence qui est intéressant. David fait donc appel au Dieu vivant, pas au Dieu qui est inerte, amorphe, fait de main d'homme. Il fait appel à celui qui est éprouvé, celui qui a fait ses preuves, celui qui s'est révélé à son entrée Abraham comme le créateur de l'univers, celui qui était, qui est et qui sera, l'Éternel. Celui dont les promesses faites à Abraham, à Isaac, à Jacob se sont réalisées, et David et toute sa génération en sont témoins. C'est le Dieu auquel fait appel David. Le Dieu vivant est le seul rempart de David dans cette période difficile de sa vie. Une période durant laquelle, une fois de plus, les gens ne se montrent pas tendres avec lui. Et c'est ce qu'on voit dans d'autres et notamment le psaume 39 que j'ai déjà traité il y a 15 jours. Ici, on voit ses détracteurs, sans doute ses propres sujets,
se moquaient de lui et lui lançaient constamment « Ton Dieu, que fait-il ?» ou encore, dans d'autres versions, « Où est ton Dieu ?» Mais David ne se laisse pas déstabiliser par les commentaires de ses détracteurs. Il veut tourner son regard vers Dieu et vers le Dieu vivant. Il en appelle à se souvenir du beau vieux temps, où il était dans la joie en présence de Dieu et du peuple. Et c'est le verset 5. Et ce verset est notamment l'une des raisons pour lesquelles certains commentateurs pensent que David serait l'auteur ou l'inspirateur de ce psaume. On pourrait dire à l'époque de David, la maison de Dieu ou le temple n'existait pas. Et vous aurez raison, c'est vrai. Mais même si c'est David qui en a eu l'idée, du temple de Dieu, il sera construit beaucoup plus tard par son fils Salomon. Toutefois, il y avait le tabernacle et le sanctuaire de Dieu au milieu duquel se trouvait l'arche de l'Alliance. Et ça faisait office de la maison de Dieu. L'une des préoccupations du roi David, après s'être installé et fait de Jérusalem sa capitale, était d'y ramener l'arche de l'Alliance, qui représentait la présence de Dieu. L'arrivée de l'Arche de l'Alliance était un jour de fête, de reconnaissance et de joie pour tout le peuple. Et quand on lit le récit de cela dans 1 Chronique, 13 et 14, on voit que David dansait en tête du cortège, comme il est dit là dans le psaume 42. Et pour l'occasion, David avait offert du pain à tout le peuple. David avait dressé une tente où était l'Arche, et qui faisait donc office de maison de Dieu. Et pour les Israélites, ne pas pouvoir se recueillir dans le temple, la maison de Dieu, était comme perdre leur identité, ne plus exister, tellement le culte du Dieu vivant était au centre de leur vie. Et les détracteurs de David, je pense, le savent bien en fait. Ils savent bien que quand ils disent à David, « Il est où ton Dieu ?» c'est une manière de lui dire, « Mais tu n'existes plus, quoi. » Au lieu de le réconforter, pour qu'il retrouve la paix et que son cœur se tourne vers Dieu, il se moque de lui et l'accable davantage. Il remue le couteau dans la plaie. Mais heureusement, la suite du texte nous montre que David sait prendre de la hauteur. Il a bien compris que même si le temple ou la maison de Dieu a une valeur importante, Dieu est omniprésent et on peut faire appel à lui où que l'on soit. Jésus a instauré une nouvelle ère dans la relation de Dieu avec les hommes et les femmes. Avec sa venue sur terre et l'accomplissement de la mission que Dieu lui avait confiée, celle de sauver les hommes et les femmes du péché, ce qui pouvait les empêcher d'être en présence de Dieu. La Bible nous rappelle et nous dit que tous ceux qui sont disciples de Jésus-Christ sont le temple de Dieu. Dieu habite en eux par son Esprit Saint. Donc, si tu crois et si nous croyons en Jésus-Christ et que nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur, alors Dieu habite en nous et notre corps est son temple. Quelles leçons pourrons-nous tirer de ça? Comment exprimons-nous notre besoin de Dieu? C'est vraiment une question que je me suis posée en voyant cette soif de David. Comment exprimons-nous notre besoin de Dieu? Est-ce que nous ressentons notre besoin de Dieu? Si oui, comment assouvissons-nous ce besoin? Et à titre personnel, quand j'ai du mal à prendre le temps de lire la Bible ou de prendre un temps avec Dieu, je me dis que celui qui en a vraiment besoin, en fait, c'est moi, ce n'est pas Dieu. Et celui qui a beaucoup à perdre, c'est moi, ce n'est pas Dieu. C'est vrai que Dieu n'a pas besoin de moi pour exister, mais il veut prendre plaisir à me voir le louer. Il veut prendre plaisir à me voir dans sa présence. Il veut prendre plaisir aussi à vous voir dans sa présence. C'est par amour pour moi qu'il m'a donné une opportunité de m'approcher de lui, par ma foi en Jésus-Christ, pour être dans sa présence. Il prend plaisir à nous voir, nous tourner vers lui, de diverses manières, bien sûr. Déjà dans l'Ancien Testament, du temps de David, Dieu, par sa parole, avait indiqué que l'homme et la femme devaient avoir une relation quotidienne avec lui, et notamment au travers des paroles de Moïse à Josué. Dans Josué 1, verset 8,
quand il lui dit « Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. » Alors la suite dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Mais la première partie pour nous est vraiment capitale. Méditer jour et nuit la parole de Dieu, le livre de la loi. Jésus dira aussi que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Dieu veut que nous soyons connectés à lui tous les jours et en tout temps. Si on ne ressent pas le besoin de Dieu, j'ai envie de dire pourquoi on ne ressent pas ce besoin de Dieu pour nous qui sommes là, qui êtes là. Pourquoi on ne ressent pas le besoin de Dieu? Qu'est-ce qui remplit votre vie? Est-ce que vous croyez en la vie éternelle? Et si c'est le cas, la vie éternelle, elle est entre les mains du Dieu vivant. Et si tu es disciple de Jésus, que fais-tu quand tu te sens loin de Dieu? Est-ce que, comme David, tu fais appel aux souvenirs pour te rappeler et rester attaché à Dieu? Il y a aussi un autre encouragement qui est là, c'est enseignement plutôt. Soyons des encouragements des uns des autres. Quand il y a l'un de nous qui traverse un moment difficile, qui serait même la conséquence de sa faute, soyons un encouragement. La Bible nous enseigne à aimer les autres comme nous-mêmes. Et je le dis assez souvent, lequel de nous n'aimerait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour l'encourager, même s'il a fait une chose qui nous paraît, une faute qui nous paraît si grande, énorme. Si Jésus le pardonne, alors nous aussi, nous devons l'aimer et pouvoir le pardonner. Et surtout l'encourager pour qu'il tourne ses regards à Jésus-Christ. La situation de David, loin de la maison de Dieu et son état d'esprit, doivent également nous interpeller sur la raison pour laquelle nous nous rendons à l'église. Pourquoi fréquente-t-on une église? Alors, église avec petit e, parce que pour dire bâtiment. Est-ce que nous y allons pour gagner des points pour notre salut? Est-ce que nous y allons par habitude? Coutume, parce que mes parents le faisaient et que moi aussi je le fais. Dieu habite dans les cœurs des chrétiens. Nous nous rassemblons pour le louer, dire ce qu'il a fait, pour l'adorer, dire ce qu'il est, nous encourager dans la marche chrétienne en apprenant à mieux connaître Dieu, à lui obéir. C'est ce que l'on fait aussi au travers des groupes de vie, notamment le groupe de maison, les groupes pré-ados, les groupes de jeunes, les groupes de femmes, les groupes d'hommes, pour ne pas en oublier, je m'arrête là. Notre chrétienté n'est pas définie en tout cas par le nombre de fois qu'on va à l'église ou on participe aux réunions, aux rencontres de l'église. Notre chrétienté est définie par notre foi en Dieu, notre révérence et aussi par notre obéissance à la parole de Dieu. C'est ce qui définit notre chrétienté. Notre foi en Dieu et notre obéissance à sa parole. Alors je tiens à préciser que je n'encourage pas du tout à délaisser les églises, loin de là. Au contraire, l'église locale, elle est vitale. Elle a été instaurée par Jésus lui-même, puisque l'apôtre Paul nous dit que les chrétiens sont membres du corps de Christ. Et il y a beaucoup de textes qui nous encouragent à être ensemble et à être membres d'une église locale. Alors, pas une église virtuelle, même si avec le Covid, des églises virtuelles ont pullulé sur Internet, ou même la pratique de suivre le culte de manière paisible sur son canapé est peut-être devenue assez courante, mais c'est plus que cela, la vie chrétienne, c'est vraiment être avec des frères et sœurs, des personnes avec lesquelles on peut s'encourager, avec lesquelles on peut parler de sa vie quotidienne, de ses défis, de ses encouragements, et pouvoir prier ensemble. C'est vraiment cela, l'église locale. Et aussi, ensemble, à participer pour que le témoignage de l'évangile, de la bonne nouvelle, soit répandu. Oui, Dieu veut une relation permanente avec nous et en tout temps. C'est vraiment ce qu'il faut retenir.
continuons la lecture des versets 6 à 9 qui nous montrent qu'il vaut mieux faire appel à Dieu que de se lamenter sur son sort. Qu'il vaut mieux faire appel à Dieu que de se lamenter sur son sort. Je continue la lecture, donc toujours dans la version français courante. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Au lieu de me désoler, je vais m'adresser à toi, ô Dieu, de l'endroit où je suis, aux sources du Jourdain, près du mont Petit, dans les montagnes de l'Hermon. Tu fais gronder des torrents, un flot en appelle un autre, tu les fais tous déferler sur moi, je suis complètement submergé. Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. Alors, encore un élément historique, le verset 7, en fait, conforte les commentateurs qui pensent que c'est David qui est l'auteur de ce texte, parce que les lieux qui sont cités, c'est le lieu où David s'est réfugié quand son fils Absalom le poursuivait. Alors, le roi David n'a plus rien du tout. Il n'a plus son palais, il est démuni matériellement, il n'a plus les faveurs du peuple qui le critique. Il est critiqué, il n'est plus adulé. Et on peut au moins imaginer son calvaire sur le chemin de l'exil, peut-être des jets de pierre, des œufs qu'on lui jetait, on ne sait pas. Mais on voit qu'il est vraiment malheureux. Mais il reste une chose, en revanche, une chose qui est pour lui la plus importante. Son espérance en Dieu. Il pourrait en effet se plaindre sur son sort, mais cela ne changera rien à sa situation. Mais l'espérance change quelque chose pour lui. Il préfère s'adresser à Dieu où il est, en exil, loin de son palais royal, loin de la maison de Dieu. Au lieu d'être découragé par cette situation, de se lamenter sur son sort, de ruminer et de sombrer dans le désespoir, David veut mettre Dieu au centre de sa vie, surtout dans cette période tumultueuse, incertaine. Et dans ce psaume, versets 12 et 13, dans ce psaume 42, 13 fois, dans 12 versets, 13 fois apparaît le nom de Dieu. En 12 versets, 13 fois, il évoque le nom de Dieu. Et David veut continuellement louer Dieu indépendamment des circonstances. Et louer Dieu, c'est dire ce qu'il a fait. C'est se rappeler de tout ce que Dieu a déjà accompli, à la fois pour lui personnellement, mais aussi pour le peuple d'Israël. Et je dirais que la louange, c'est un booster de la confiance, en Dieu. C'est un booster de la foi quand on est dans la détresse. Il veut mettre devant ses yeux et compter tous les bienfaits que Dieu lui a déjà accordés. N'est-ce pas un chant qui nous invite à faire cela, à compter les bienfaits de Dieu, de les mettre tous devant nos yeux, et nous verrons alors combien le nombre en est grand. David lui-même aussi a été au bénéfice de la main de Dieu, qu'il a secouru et lui a donné la victoire sur ses ennemis, et notamment les Philistins. Et pour s'encourager, David trouve son inspiration dans les éléments de la nature qui l'entourent, la montagne, les rochers, a priori des cascades, un torrent. Il est près du Jourdain, nous dit-il. Et le Jourdain est un fleuve d'une grande importance qui servait à la fois de barrière, de protection contre les invasions ennemies, mais aussi de frontière. Et c'était aussi un abreuvoir pour les animaux. Et c'est sans doute même à cause, peut-être, d'une biche qui s'y abreuvait, que le psalmiste David a eu l'inspiration d'écrire ce psaume en nous parlant d'une biche. En fait, je me suis posé la question, pourquoi une biche? Mais c'est peut-être tout simplement parce qu'il voyait une biche, en fait, qui est en train de s'abreuver, et ça lui a donné l'inspiration. On ne sait pas. Le Jourdain est aussi le fleuve où Jean-Baptiste a baptisé Jésus et bien d'autres personnes. Et ce qui entoure David lui rappelle la grandeur de Dieu vivant et créateur de l'univers qui est au contrôle de tout et qui est souverain. Le spectacle qui s'offre à lui
des torrents d'eau qui viennent se fracasser violemment sur un rocher lui rappellent les souffrances que Dieu permet qu'il puisse vivre. Ah oui. Dieu est au contrôle de tout, mais il permet aussi parfois que nous connaissions des épreuves. Il ne s'arrête pas à ce constat, mais il voit plus loin, car il est intimement convaincu d'une chose, Dieu veut son bien. Alors il demande une chose à Dieu, au verset 9, « Que le Seigneur me montre sa bonté le jour, et je passerai la nuit à chanter pour lui, à prier le Dieu qui me fait vivre. » C'est de nouveau l'idée de voir les bienfaits de Dieu pour ne pas être emporté par les circonstances qu'il connaît. Et l'attitude de David pourrait être à la fois vue comme un paradoxe et aussi un encouragement pour les rares fidèles qui l'accompagnaient dans son exil. Comment cet homme qui a tout perdu peut-il chanter des cantiques à Dieu? David veut apprendre à mettre davantage confiance en Dieu malgré cette situation inédite pour lui. Il y a cette expression, le jour et la nuit. Moi, je considère que le jour comme le moment où tout va bien pour nous. Le moment où on peut faire le plein de stock de la bonté de Dieu. Et la nuit, c'est le jour où on traverse des périodes difficiles, l'épreuve, et où justement le souvenir de tout ce que Dieu a déjà accompli, de tout ce que Dieu dit de nous, doit nous revenir à l'esprit. Et c'est cela qui doit nous pousser à lui adresser la louange, à lui adresser notre prière. Parce que Dieu ne se dédie pas. Ce qu'il dit, il le fait et il le conserve. Et David est aussi conscient que c'est Dieu qui donne et maintient la vie. S'il est vivant, c'est bien par la volonté de Dieu. Et Dieu donne la vie sans fin en Jésus-Christ. Pour nous, tout comme David, nous vivons des temps de découragement dont les causes peuvent être multiples ou diverses. Peut-être la conséquence de nos mauvais choix, de nos fautes, de nos mauvaises décisions, peut-être une injustice subie. Et dans cette période, prenons exemple sur David et sa résolution. Une résolution qui est le fruit de sa méditation. Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. Nous les hommes, nous avons tendance à balayer d'un revers de main tout le bien que nous fait un bienfaiteur. Et dès qu'un quelqu'un qui nous a fait du bien fait quelque chose qui nous fait mal ou qui nous semble être mal, alors dans notre tête, nous balayons tout le bien et nous faisons que ruminer tout le mal ou le mal qu'il a semblé nous avoir fait. On nous met alors dans la tête des choses négatives et parfois on le verbalise, hélas, et ça fait des dégâts. C'est une attitude qui ne favorise pas la consolidation des relations. Au contraire, nous devons utiliser notre mémoire pour sonder les intentions que nous pouvons décrire. Est-ce que cette personne me veut du bien? Que puis-je apprendre de cette situation? Et c'est vrai, si nous traversons une épreuve, nous pouvons nous poser cette question, est-ce que Dieu me veut du bien? Est-ce que Dieu me veut du bien? Qu'est-ce qui vous permettra de répondre à cette question, que Dieu vous veut du bien ou non? Est-ce que Dieu me veut du bien? Moi, personnellement, je dirais que oui, Dieu me veut du bien. Et pourquoi? Parce que pour moi, il n'a pas hésité à donner son fils Jésus-Christ mourir à la croix. Ça lui a coûté de le faire. Et s'il l'a fait, ce n'est pas pour me jeter en pâture. Ce n'est pas pour me faire du mal. Au contraire, c'est pour me faire du bien, pour me permettre d'être avec lui pour l'éternité. Rappelons-nous, si quand nous traversons le monde difficile, posons-nous cette question. Est-ce que Dieu me veut du bien? Si la réponse, elle est évidente, elle est oui, alors persévérons et continuons à faire confiance à Dieu. Rappelons-nous aussi que l'épreuve ne dure qu'un temps et que la vie que Dieu donne dure éternellement, elle est permanente. La louange adressée à Dieu est une arme efficace pour garder son espérance en Dieu. Et je veux aussi parler du pouvoir du découragement et je pense que
quand on est découragé, c'est vraiment le pouvoir du découragement, à mon sens, c'est de nous enfermer dans une bulle et de ne plus voir que notre vie, en fait, et notre situation, de ne plus voir au-delà. Mais quand on sort et on ouvre les yeux, on voit que, en fait, on a une vue qui est dégagée devant soi. On peut voir au loin, et voyons aussi au loin, dans notre situation, dans nos épreuves. Voir au loin, ça nous rappelle que Dieu nous donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie éternelle, elle est certaine si nous restons attachés à lui. Que le pouvoir du découragement ne nous enferme pas et ne nous emprisonne pas. Que Dieu nous ouvre les yeux pour voir la beauté de tout ce qu'il a créé, pour voir la beauté de ce qu'il a déjà accompli pour nous en Jésus-Christ. La suite du texte, versets 10 à 12, nous montre que celui qui aime Dieu persévère dans la révérence indépendamment des circonstances. Celui qui aime Dieu persévère dans la révérence indépendamment des circonstances. Je veux dire à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Me voilà complètement brisé par leur insulte. Quand ils me disent sans cesse, ton Dieu, que fait-il? Que fait-il donc? À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau, lui, mon sauveur et mon Dieu. L'assurance de David monte progressivement, crescendo. Dieu est son rocher. Inspiré par le spectacle qui s'offre à lui, des vagues puissantes, un torrent donc qui vient se fracasser sur un rocher, mais qui tient ferme. Il déclare que Dieu est son rocher. Dieu est son rocher. Dieu est fiable. Il est tout puissant. Il est une véritable sécurité et que sa protection est certaine. David a déjà expérimenté la protection de Dieu, notamment quand Saül voulait sa mort, ou même quand ses ennemis, les Philistins, lui menaient la guerre. Il lui a donné cette victoire sur Goliath avec des éléments rudimentaires. Lui qui n'était pas un guerrier est allé à la rencontre de ces géants qui faisaient peur à tout le peuple, à tous les soldats. Et il a obtenu cette victoire, non pas avec sa force, mais en mettant sa confiance en Dieu. Dieu l'a délivré de ses ennemis et il sait que Dieu est un rocher. Dieu est une forteresse, un abri sûr. Mais cela peut sembler aussi paradoxal qu'après cette déclaration de sa confiance en Dieu, David dise au verset 10, « Pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je vivre accablé? Pourquoi laisses-tu mes ennemis m'écraser? Mais voilà complètement brisé par l'insulte. Quand ils me disent sans cesse, « Ton Dieu, que fait-il? Que fait-il donc ?» David, reconnaissant que l'Éternel est le Dieu vivant, il languit de le voir à l'œuvre dans sa vie. Et il a l'impression d'être abandonné, oublié par Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu laisse ses détracteurs, qui sont peut-être juifs comme lui, se moquer de lui et avoir en quelque sorte raison en scandant « Ton Dieu, que fait-il donc ?» puisque Dieu ne le vient pas en secours. C'est comme s'il lui disait « Ton Dieu est mort. » Et c'est vrai que le silence de Dieu dans l'épreuve peut donner l'impression que Dieu nous abandonne. Mais ce n'est pas le cas. Le temps de la réponse de Dieu n'est pas le nôtre, car Dieu est maître des temps. Il est souverain. Une chose est certaine cependant. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font réellement confiance. Dieu n'abandonne pas ceux qui lui font réellement confiance. Et je pense que David, il en est conscient. Et dans plusieurs psaumes qu'il a écrits, on voit vraiment cette confiance exprimée. Et je vous invite juste à écouter quelques versets du psaume 27 que je vous invite à lire chez vous.
Et son thème, le thème de ce psaume, selon la Bible d'études Vie Nouvelle, bon, j'avais prévu de pouvoir vous la montrer pour vous encourager aussi à l'acheter parce que je trouve qu'elle est très intéressante pour votre méditation personnelle, bien sûr. Donc, le thème, selon la Bible d'études Vie Nouvelle, c'est une aide doublée d'espérance, une confiance inébranlable en Dieu est le meilleur antidote contre la peur et le sentiment de solitude. Et David y déclare, verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. Qui devrais-je redouter ?» Versets 4 et 5, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Et il m'élevera sur un rocher. » Enfin, verset 10. « Même si mon père et ma mère viennent à m'abandonner, l'Éternel m'accueillera. » Et c'est consternant que ses contemporains, juifs, sans doute comme lui, le balancent cette phrase, « Ton Dieu, que fait-il donc ? » Aurait-il oublié qui est le Dieu vivant? Pense-t-il que David mérite cette sentence, peut-être à cause d'un péché? Il ne connaît sans doute pas le véritable Dieu, qui il est. Il n'abandonne pas ceux qui le font réellement confiance. Et l'apôtre Paul dira plus tard dans Romains 8, 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée. » Et j'ai envie de dire, même le péché, s'il est confessé, il ne peut nous éloigner de Dieu. Car Dieu pardonne, comme on l'a dit dans 1 Jean 1, verset 9. Le secours de Dieu est fiable et le roi David en est conscient. C'est pourquoi, une fois de plus, il enjoint son cœur. C'est vraiment comme s'il se parle à lui-même pour se persuader à lui-même. Tu ne dois pas tomber en dépression et oublier qui est Dieu. Et je trouve ça assez formidable, en fait. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui vient lui parler, mais c'est lui-même qui parle à son cœur, à son âme, à ce qui est de plus profond en lui pour lui dire, sois convaincu de l'amour de Dieu envers toi. Sois convaincu du secours de Dieu. Il enjoint son être tout entier à ne pas tomber dans le désespoir. Et il conclut avec son cri à Dieu, par une répétition, tout simplement, du verset 6. À quoi bon me désoler? À quoi bon me plaindre de mon sort? Mieux vaut espérer en Dieu et le louer à nouveau. Lui, mon sauveur et mon Dieu. La louange, un antidote au désespoir quand Dieu nous semble loin. Le souvenir de ce qu'il a déjà accompli nous montre qu'il n'est pas loin. Au contraire, il est près de nous. Et peu importe les circonstances, l'Éternel est sauveur. L'Éternel est Dieu. Il est l'objet de la révérence, c'est-à-dire de se soumettre à sa volonté. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la définition de Dieu, j'ai trouvé assez extraordinaire. C'est vraiment ce mot révérence, de se soumettre à celui en qui on croit. Et c'est ce que fait David, et ce que aussi nous sommes appelés à faire, se soumettre à Dieu. Parce qu'on sait que sa volonté pour nous est bonne. Et pour nous, j'ai envie vraiment de nous poser cette question, qui ou quel est votre rocher? Sur qui ou sur quoi vous appuyez-vous? Loin des yeux, près du cœur, c'est une expression. Nos yeux peuvent nous donner le sentiment que Dieu est loin de nous. Mais notre cœur doit être rassuré de la présence permanente de Dieu. L'épreuve dure un temps et finira bien un jour. La vie que Dieu donne en Jésus-Christ dure éternellement. Peut-être qu'on peut vivre une épreuve dont on ne sortira pas jusqu'à sa mort. Ça peut arriver. Mais rappelons-nous que la vie que offre Dieu est éternelle. On sera à ses côtés et il est à nos côtés, malgré le sentiment d'abandon que l'on peut avoir parfois.
Et comme le psalmiste, n'ayons pas crainte de dire à Dieu le fond de nos pensées. On croit parfois qu'il y a des choses que les chrétiens ne doivent pas dire. Il ne pas dire qu'il est découragé parce que Christ est le Tout-Puissant, Christ est le mort. Mais en fait, nous restons humains, tout simplement. Et ce texte qui est dans la Bible, la parole de Dieu, nous montre qu'on peut s'exprimer à Dieu. On peut exprimer nos sentiments en toute liberté à Dieu. Mais une chose est vitale et capitale, c'est que ces sentiments doivent nous emmener à Christ. Ces sentiments doivent nous emmener à Dieu et non nous pousser à la désobéissance. C'est vraiment la seule préoccupation. Quand on fait état de nos sentiments à Dieu, ça doit nous ramener plus vers lui et non nous éloigner de lui. Et dans l'épreuve, le calme, la paix est vital pour prendre des bonnes décisions. Et lors de ma prédication du 14 juillet, j'avais parlé de la zen attitude, hein, le calme. Mais je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas là de pratiques de d'autres cultures et d'autres religions mondaines, mais qu'il s'agit là de la paix et la paix que donne Jésus-Christ. Il a dit dans Jean 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Et au premier verset du chapitre 14, il dit « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Oui, peut-être que nous vivons et nous vivrons cette période de découragement, une période où nous sentirons une sécheresse spirituelle. Mais rappelons-nous que Jésus-Christ a cette eau vive qui jaillit et dit à la femme samaritaine dans Jean 4, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et que Dieu nous donne cette eau, qui est sa parole, qui donne aussi l'obéissance pour que notre vie soit comme lui veut, un témoignage, mais que nous soyons aussi des encouragements les uns des autres, et aussi pour ceux qui nous entourent, qui ne connaissent pas Christ, puissent aussi le découvrir au travers de notre témoignage. Je vous invite à la prière. Mais Seigneur Jésus, merci parce que tu connais nos cœurs et tu sais, tu nous connais parfaitement. Tu dis même que tu connais le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Et tu sais quand nous sommes découragés, tu sais quand nous sommes dans la joie. Et tu veux vivre avec nous, oh Seigneur, indépendamment de ces sentiments, que ce soit dans la joie, dans la peine. Tu veux être à nos côtés, tu veux nous rassurer et nous aider à traverser ce monde en tenant ta main, oh Seigneur. Et on prie au Seigneur pour que l'ampleur des difficultés, des épreuves que nous connaissons ne nous pousse pas à lâcher ta main, mais au contraire, que nous puissions la serrer davantage, oh Père, et que tu nous donnes aussi de pouvoir t'exprimer librement nos sentiments quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes découragés. Et toi, Jésus, qui a vécu sur terre, qui a connu aussi des épreuves et qui a tenu bon, qui allait jusqu'au bout de la mission que Dieu t'a confiée, que tu nous aides aussi à tenir bon, que nous puissions crier à toi et non passer notre temps à nous plaindre, Seigneur, que nous puissions espérer en toi, parce que l'espérance en toi est vivante, elle donne la vie et elle donne la force, Seigneur, que tu nous donnes de persévérer, Seigneur, et que tu nous donnes, oui, de croire en toi et de croire en ton amour. Oui, Père, nous voulons que l'honneur et la gloire te reviennent pour nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et comme encouragement aussi, j'oubliais cette annonce, sachez que l'équipe de la librairie met à disposition des évangiles de Luc, non pas pour les mettre dans vos placards,
mais plutôt pour pouvoir les distribuer à ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ et aussi pouvoir en parler avec eux. Donc, vous êtes libre de pouvoir en disposer. Je laisserai Emmanuel et l'équipe de la librairie vous le mettra à disposition. Voilà. Je ne sais pas quelle heure il est. Alors, je regarde l'heure quand même pour voir si... Ah oui, non, en effet, on va laisser le dernier chant. Bah, le dernier chant, c'était inspiré de ce psaume, psaume 42. C'est « Crier à toi », vous pouvez l'écouter sur la route. Voilà, je souhaite un bon dimanche et une bonne semaine et que Dieu nous bénisse tous.